Low code, c'est un peu de code. Je suis arrivée à Scorus depuis bientôt un an. Moi, c'est Benjamin, je suis chez Scorus depuis plus de 3 ans. Emeric, et je suis consultant APEX chez Scorus depuis 2 ans. Laurine Erdine, je suis manager et responsable de l'offre Oracle APEX chez Scorus. Là, j'ai 10 secondes là. Ok, on va très simple. Alors, Oracle APEX, c'est une technologie low-code d'Oracle qui permet de construire des applications web et mobile rapidement. C'est bon? Low-code, c'est un peu de code. Quand j'ai rejoint Scorus dans les équipes de jeu frais, je devais réaliser un dashboard qui permettait aux RH d'analyser leur effectif. Et c'est à ce moment-là que jeu frais a proposé d'utiliser Oracle APEX, donc j'ai dit bon, pourquoi pas. Et donc on a développé le dashboard, ça a très bien marché, et c'est comme ça que Geoffrey m'a transmis sa passion d'Oracle APEX. Alors moi j'ai pas vraiment choisi, elle est arrivée comme ça devant ma porte, et j'étais très content de prendre en main cette technologie. Puis on m'a proposé des sujets en lien avec APEX, c'était de développer une application pour les administrateurs d'un CRH qui permettait de contrôler la cohérence des données issues de différentes sources. À travers cette expérience, j'ai pu découvrir APEX et l'univers APEX et j'ai eu l'opportunité aussi de continuer sur d'autres applications et ça m'a vachement plu la facilité de développer des applications rapidement et d'en voir le résultat. C'est un projet interne qui visait à aider les managers à planifier leurs consultants sur plusieurs projets en même temps. Pour avoir un résumé de la charge de chacun de ces consultants. Là, par exemple, on a la gestion de budget, gestion de projet, le contrôle de la qualité de données ou encore la gestion des commandes clients. Créer des pages très rapidement, créer toute une authentification rapide. Alors moi, en tant que développeur, ma fonctionnalité préférée, c'est la fonctionnalité de dupliquer. Parce qu'on peut dupliquer soit des applications, des pages ou des boutons. Et d'ailleurs, grâce à notre grande librairie d'applications Oracle APEX, on ne part jamais de zéro. Je me rappelle, il y a quelques années, lors d'un démarrage d'un projet APEX, le DSI d'un grand groupe nous a dit voilà, si avec un Oracle, vous pouvez faire du bien et pas cher, on vous rappellera. Et donc, on l'a fait. Et aujourd'hui, 5 applications tournent chez eux actuellement avec Oracle APEX. Un gain de temps de mise en place parce que les projets durent en moyenne 3 mois et après un gain de temps en termes d'utilisation qui permet en fait tout simplement de faciliter la vie à nos utilisateurs. Et du coup ils peuvent rapidement se projeter et ensuite on peut customiser les applications en fonction de leurs besoins spécifiques. Même côté développeur, on voit aussi qu'il y a un gain de temps dans le développement donc ça doit se faire forcément ressentir côté client. Du coup, rapidité, simplicité, évolutivité. J'ai aucune galère. Moi, je trouve qu'on ne galère pas sur APEX. D'accord. Je suis responsable de l'onboarding des nouveaux arrivants et on leur a concocté tout un parcours d'onboarding avec à la fois des vidéos pour qu'ils commencent à apprendre APEX, des cas pratiques pour qu'ils puissent s'exercer et enfin un suivi avec un mentor spécialisé sur APEX. J'ai eu la chance d'avoir une formation sur la théorie pour voir tout ce qui était possible de faire avec APEX et après un exercice, donc une application à faire pour vraiment prendre en main l'application. Et d'ailleurs, on ne forme pas que nos collaborateurs, on forme aussi nos clients sur APEX grâce à notre catalogue de formation Scorus University. Série Zirindred était la première application que j'ai faite et du coup c'était vraiment la découverte. Pierre des Caraïbes parce qu'on était un trio sur ce projet là et donc on était en quête d'un motocrot qui est le trésor en l'occurrence. Matrix parce que peu importe si tu prends la pilule bleue ou rouge, t'arriveras toujours à tes fins avec APEX. Moi j'irai Flash parce que si vous avez suivi la vidéo, il n'y a pas besoin de l'expliquer.